Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer de si on peut se venir au restaurant grammaire. On va commencer. Vous êtes prêts mes élèves? Allez. Combien de repas on prend dans la journée? Rappelez-vous avec moi, combien de repas on prend dans la journée? Combien du kamwal banatan wal habiyaw? On prend trois repas. Le petit déjeuner, le matin, le déjeuner, l'après-midi, le dîner, le soir. C'est très important, mes élèves. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Je prends du thé, de pain, de lait, de la confiture, des fruits. Qu'est-ce que tu manges au déjeuner? Je mange du riz, du poisson, de la viande, de la salade, du poulet. Attention, du la, masculin, féminin. Qu'est-ce que tu bois? Verbe boire. Qu'est-ce que tu bois? Je bois de l'eau. Je bois du jus. Je bois du thé. Attention. Observez. Du L apostrophe. Du. Verbe manger. Premier groupe. Verbe boire. Verbe prendre. Manger. Je mange. Tu manges. Il mange. Nous mangeons, vous mangez, ils mangent. Verbe boire, yashrab, je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Verbe boire, troisième groupe. Verbe prendre, troisième groupe, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Je répète, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Les articles partitifs. Il y a 4 articles. Du, de la, du, elle, apostrophe, des, au pluriel. Regardez bien. Du pain, du fromage, du poisson, du café. Du thé, du lait, du riz. On utilise du, c'est-à-dire du, avec nom masculin singulier. Nom masculin singulier. Mufrad al-mudhakkar. Je mange du pain, du fromage. Je prends du poisson. Je bois du café, du thé, du lait. Et comme ça, on utilise du avec nom masculin singulier. Regardez bien mes élèves. D'où la salade? D'où la salade? De la soupe? De la viande? De la confiture? De la glace? On utilise de la avec nom féminin singulier. Féminin singulier, on utilise de la. Je mange de la salade, de la soupe, de la viande, de la confiture. Je prends de la glace et comme ça. D'accord? De la avec féminin singulier. Regardez. Du L apostrophe, de l'huile, de l'eau. Nom singulier qui commence par une voyelle. Singulier, mais commence par une voyelle. Je mange de l'huile, de l'eau. Les voyelles, rappelez-vous avec moi, les voyelles A, E, I, O, U,
Y plus H. On utilise, avec nom singulier qui commence par une voyelle, du L. D'accord? Comme ça. Regardez bien. Des gâteaux, des ferouilles, des œufs. Regardez. X, S, S, pluriel. Day. On utilise day. D-E-S avec nom singulier qui commence, pardon, avec pluriel. Avec pluriel. D'accord? On utilise des avec pluriel. Je mange des gâteaux. Je mange des fruits. Je mange des œufs. D-E-S avec pluriel. Ma'aljam. D'accord? Ça va qu'un féminin ou masculin. Observez ces phrases. Observez ces phrases. Elle aime le pelé, verbe aimer. Il adore la salade. Hassan préfère les frites. Les filles détestent l'eau. Regardez. Verbe aimer ou adorer, préférer, détester. On utilise les articles définis. Le, la, elle, apostrophe, les. On dit, elle aime le poulet. Elle aime le poulet. Il adore la salade. Hassan préfère les frites, patates. Les filles détestent l'eau. Elle, apostrophe, o. Rappelez-vous avec moi, verbe aimer, détester, adorer. Premier groupe. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons. Vous aimez, ils aiment. Je déteste, tu détestes, ils détestent, nous détestons, vous détestez, ils détestent. Verbe adorer, regardez, j'adore, tu adores, il adore. Nous adorons, vous adorez, ils adorent. Regardez bien mes élèves, avec je, eux, avec tu, es, avec il, elle, on. E avec nous, O, N, S avec vous, E, Z avec il, au pluriel, E, N, T. D'accord? D'accord, mes élèves? Pour exprimer la préférence, demander ce que l'on préfère. On utilise le verbe aimer, préférer, adorer. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Tu aimes quoi? Qu'est-ce que vous préférez prendre? Qu'est-ce que vous préférez prendre? La réponse, je préfère prendre du poulet. Je préfère prendre du poulet. Comment tu trouves les glaces? Comment tu trouves les glaces? Je crois que les glaces, c'est bien. C'est délicieux. La vide. Regardez, c'est sans saveur. C'est délicieux. C'est sans saveur. Pour apprécier, on dit, c'est délicieux, c'est équestre, c'est un délice, c'est bon. Je répète, c'est délicieux, la vie, c'est équestre, c'est un délice, c'est bon. Pour déprécier, l'adam taqdir shay ou karahiyatu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. C'est sans saveur. C'est sans saveur. C'est sans saveur. D'accord? C'est de goton. C'est de goton. D'accord? Pour apprécier,
On dit c'est de l'essieu, c'est équestra, c'est un d'Ulysse, c'est pont. Pour déprécier, ce n'est pas très pont, c'est sans saveur, c'est de goton. Trouvez le mot insolite. Professeur, voyage, musicien, ingénieur. Réfléchissez bien, mes élèves. Trouvez le mot insolite. Professeur, voyage, musicien, ingénieur. Très bien. Voyage, très bien. Déjeuner, entrée, plat, anniversaire. Déjeuner, entrée, plat, anniversaire. Le mot insolite. Très bien, anniversaire. Très bien, anniversaire. Numéro 3, report, passeport, billet, cinéma. Pardon, semaine. Très bien, semaine. Lecture, cinéma, poisson, ski. Très bien. Poisson. Chambre, balcon, cuisine, prix. Chambre, balcon, cuisine, prix. Très bien, prix, prix, très bien. Associer l'acte de parole à la phrase convenable. Acte de parole, phrase, il demande si que on veut prendre. On vous prendre. Regardez. Réfléchissez bien. Il demande ce qu'on vous prendre. Très bien. Numéro P. Tu prends quoi? Numéro 2. Mona apprécie le repas. Regardez. Regardez. Très bien. Numéro C. C'est de l'essieu. Tu dis ce que tu prends. Numéro D, très bien. Je veux prendre de la salade. Allez, demande ce que le client préfère manger. Que préférez-vous prendre? Très bien, mes élèves. Sammy va au restaurant pour prendre le déjeuner. Il écrit un email à son ami David pour lui parler du repas. Eh bien, il écrit un email à son ami David pour lui parler du repas. J'ouvre. Du Sami à David. Objet, il m'en doit repas. Bonsoir David, tu vas bien? Aujourd'hui, je vais au restaurant pour prendre le déjeuner. Regardez mes élèves dire ce qu'ils mangent. Dire ce qu'ils mangent. Maintenant, regardez la réponse. Je mange de steak et des frites. Dire si quel poids. Maintenant, je poids de l'eau. Numéro 3, décrire le repas. C'est de l'essieu. Dire le prix. Ça, le repas coûte 7 kilos. Ce qui était le moral, voilà. Au revoir. D'accord? Enfin, commentez les images suivantes. Regardez bien. Commentez les images suivantes. Commentez. Très bien. Elle prend un café. Elle boit un café. Du café. Très bien. La fille prend de la glace. Rose glace, perlite. Regardez. C'est qui? C'est un garçon. C'est un serveur. Regardez. Ils prennent le dîner. Ils prennent le dîner. Mes élèves, nous avons terminé de la leçon. Merci et à bientôt.